en ouverture de cette édition, en ce dimanche 1er octobre 2023, une atmosphère empreinte de solennité et de respect pour les valeurs républicaines a marqué le début de la deuxième session ordinaire du Parlement de la République de Djibouti pour l'année en cours. Cette cérémonie, présidée par le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, a symbolisé le renouveau des activités parlementaires après la pause estivale, en stricte conformité avec les principes de la Constitution et les règles édictées par le règlement intérieur. L'événement a réuni un parterre impressionnant de personnalités éminentes, parmi lesquels le Premier ministre, Abdel Kamel Mohamed, les membres du gouvernement, les membres du Parlement, ainsi que des acteurs influents issus des divers horizons. Les diplomates étrangers, les représentants d'organisations internationales étaient également présents aux côtés d'officiers militaires, d'autorités locales, d'élus et de membres actifs de la société civile. Cette ouverture de session a été marquée par l'exécution solennelle de l'hymne national, un moment qui a renforcé l'unité nationale et fait ressentir la fierté de la nation. Dans son discours inaugural, Dileta Mohamed Dileta a souligné l'importance cruciale du processus budgétaire, encourageant les députés à examiner scrupuleusement les propositions budgétaires du gouvernement pour garantir qu'elles répondent adéquatement aux besoins de la société. Il a réaffirmé le rôle primordial du Parlement en tant qu'institution de surveillance et de contrôle de l'action gouvernementale, tout en insistant sur la nécessité d'un dialogue constant entre le gouvernement et les parlementaires. Eh bien, cette cérémonie solennelle a donc marqué le début d'une nouvelle session parlementaire placée sous le signe de l'engagement envers le bien-être et le progrès de la nation djiboutienne. Nous nous trouvons aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale, réunis pour marquer le début de la deuxième session ordinaire du Parlement de la République de Djibouti pour l'année 2023. Je tiens à accueillir chaleureusement Monsieur le Premier ministre, les membres du gouvernement, nos honorables députés, ainsi que les distingués invités du corps diplomatique, des organisations internationales, des institutions de la République et toutes les autres personnalités présentes au sein de l'auditoire ici aujourd'hui. Par votre participation, vous rehaussez la solennité de ce moment privilégié de la vie de l'Assemblée nationale de la République de Djibouti et témoigne de la place du premier choix occupée par le Parlement. Avant d'entamer mon discours, je voudrais de prime abord partager avec vous ma réflexion sur le tremblement de terre du jeudi dernier. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, il y a deux jours, Djibouti a été frappé par un séisme modéré de magnitude de 4,5 sur l'échelle Richter. C'est avec effroi que nous avons été réveillés de notre sommeil avant l'aube. Depuis lors, plusieurs répliques sismiques, certaines plus ressenties que d'autres, nous ont maintenus entre inquiétude et alarme.
Cela revive à notre mémoire les actes du désastre de nos frères et sœurs du Maroc et de la Libye ont vécu dernièrement. Nous leur réitérons nos sentiments de compassion et nos plus sincères condoléances. Après la peur et les paniques instinctives qui accompagnent pareil phénomène naturel, ces épreuves de la vie nécessitent de plus en plus une attention singulière, surtout à l'ère des crises écologistes et des risques climatiques que le développement humain anarchique fait peser sur la planète. Il semble que nous devions mettre l'accent autant que possible sur les efforts nationaux visant à prévenir et à surmonter les conséquences des catastrophes écologiques. Dans le même esprit, nous appelons l'exécutif à s'engager activement dans la sensibilisation de nos compatriotes aux enjeux du changement climatique, à l'instar du dernier sommet africain sur le climat à Nairobi, placé sous le signe de la prise de conscience d'une plus grande responsabilisation du pays, grand pollueur dans le monde. Monsieur le Premier ministre, honorables députés, distingués invités, pour revenir sur les enjeux et les prémices de la plénière de ce dimanche 1er octobre, l'ouverture de la seconde session ordinaire pour la première fois dans la 9e législature survient près de 7 mois après les élections législatives de février dernier. Durant la campagne électorale, nous n'avons ménagé aucun effort. Les joutes lors du scrutin furent de longs moments de retrouvailles et de partage avec le peuple qui a souscrit à nos idées et adhéré à notre programme inspiré de la vision et des ambitions du chef de l'État. Au cœur de nos fiefs territoriaux respectifs, nous avons su gagner le cœur des électeurs qui nous ont accordé leur suffrage pour mieux défendre leurs intérêts et porter leurs préoccupations devant l'exécutif. C'est donc à présent détenteurs des aspirations de nos concitoyens que nous devons aborder les chantiers à venir avec motivation et enthousiasme pour servir au mieux à la hauteur de leur confiance et de nos responsabilités.